De retour YouTube sur Arma for Life, bienvenue. On est en patrouille actuellement, Oscar, Volkswagen, Charan avec le sobriquet du Mopi, gardien de la paix, Vino. Et on patrouille tranquillement. Voilà, on patrouille tranquillou. On va regarder là, prendre à gauche éventuellement. Alors du coup la nouvelle cité des heureux a été placée juste ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une cité. C'est ça. Alors je suis jamais trop allé voir mais il n'y a pas non plus trop d'action. Ouais, c'est le temps que tout le monde s'équipe et tout, on va dire. Après, je pense que ouais, ils vont faire pas mal de choses dans la cité des hommes. Et lol, c'est quoi cette grave? C'est plus un bidonville. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bidonville, ouais, ça change de la cité, hein. Ouais, t'arrives ici, tu te dis que t'as pas envie de te traîner, hein. Ah bah oui. Après, les cités françaises, c'est vraiment des buildings et tout. Après, je pense que dans les pays comme le Oscar, la fin. Oscar, bravo, excusez-moi. Transmet. On a la méganesthète sur Union. Je vais essayer de l'interpeller si elle part en refus d'up. Il va partir en refus d'up, c'est sûr. Bah, nous, on vient sur la position. Pour information. Refus d'obtempérer, direction le nord sur la 2x2. Oh non! Oh putain, ils sont chiants. Ok, c'est reçu. On va prendre à droite là, le carré à droite. Ouais. Ouais. Comme ça, avec un peu de chance, il reviendra sur nous. Transmet. Pour information, ma méganesthète se dirige vers Vanderville, donc elle prend à gauche au niveau de la cité. Oh. On est pas okay, bon là. Reçu. Son tuckle, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il en fait? S'en fout! Ouais, non, mais la Mégane Estate GT elle est vraiment puissante. La Mégane Estate rentre dans Waterford donc c'est un cul-de-sac. Hein. Water. Ah, il va ok, je vois. Je vois où c'est. Moi je te dis de descendre sur le. Quand t'arrives à Union, descends. Ouais, je descends, ouais. Ouais, à gauche, tu vas à gauche. Ça va, ouais, tu peux prendre. Moi je pense qu'il va couper et puis il va revenir sur le bas. Ouais, sans moi partir en off-road parce qu'en plus c'est des montagnes. On va le voir décoller, on va pas comprendre. Ah, y'a des chemins avant. Je vais se prendre le dispatch. Ouais, ouais je le prends. Ah, garde un agent TQ. Tous les secours, on va t'écouter qu'un attendant votre appel. Peut-être que tu peux prendre la prochaine à droite. Ouais, je vois. Juste avant le pôle emploi, là, ça va être à droite. Ouais. Réitérer ce que vous dit. Quelle piste? Piste d'aéroport? C'était Alpha ou Bravo? Bravo. Bravo, Oscar. Transmuté. Ah, ok. Toujours en visu. Négatif, on l'a perdu dans Waterford, je pense qu'elle est prise en off-road et a disparu. On fera ce qu'on peut, je vous remercie de votre appel. Ok, c'est reçu. Remise en service de la patrouille Alpha, 2 effectifs à bord d'une Golf 7. Ok, c'est bien reçu. Ah, il y a un mec à pied. Ouais, il a planté sa voiture dans un mur. Demandez-leur de quelle direction venait la Megan quand elle est arrivée sur Union. Depuis quelle direction? Du nord ou du sud d'Union? Bravo, Oscar. Transmettez. La voiture, comme vous l'avez vue à Union, elle venait de quel côté? Elle venait de Union, alors partez vers la 2x2 voie et après elle est partie direction Waterford, donc à votre gauche. Elle venait du bas, quoi, un peu. Ouais, elle venait du bas, donc le gars, à mon avis, il va côté Lakeside. Ah, c'est technique tout ça. Ouais. Il y a même un bus. Ouais, c'est le QG taxi. Ah! Ah, c'est le QG. Bon, dites qu'on va essayer d'aller voir côté Lexide du coup. Ouais. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est quoi déjà le véhicule? C'est une Megane Estate GT noire. Là, t'aurais dû prendre à la gauche. Ouais, okay. Bah, y'a les collègues qui partent à gauche là. Prévenez qu'on part sur Lakeside, son brigadier. Ouais. Bravo de Scar. Transmettez. Nous on va partir du côté de Lakeside, donc je vais sauvegarder dans une autre direction. C'est bien pris.
Ici, il y a beaucoup de trafic, mine de rien, là, dans ce coin. Police, quoi, vous écoutez, je vais te rattraper. Oui, c'est toujours à 90, monsieur, donc parce que je vous laisse rester sur la file de droite. C'est toujours 90. Il n'y a pas de quoi revoir, monsieur. C'est marrant l'ambiance voilà, aussi de cette ville-là. Inspecteur Gadget. Oups, pardon. Un peu trop braqué à droite. Ouais. Je serais parti sur l'île qui avait. L'île au sud là? Sur Jamestown. Ouais. On va aller faire un tour. Tu vois, c'était un peu la direction qu'il prenait quoi. Yes. Et, il avait la Megan Estate là. Bravo, ah non, c'est. Ouais, c'est les pompiers. Oh. Vous avez pas vu les jurés qui faisaient la barrière? Faire tout frais gratuit. Demander des infos, mais sinon. Oscar de Bravo. Ah! Oula, oula. Pour information, la Megan est dans Union. Ok, c'est aussi en ce genre. Alpha de Oscar. Transmettez. Vous êtes déjà un peu plus proche, je vous laisse vous rendre direction Union pour essayer d'intercepter ce véhicule. Ah, c'est bien reçu. Qu'est-ce qui est passé là? Wow! Oscar de Bravo. Transmet. Pour information, la voiture est dans le quartier un peu à gauche de Union. Donc elle fait un tour, elle repart dans Union. Ok, c'est aussi Alpha arrive depuis la deux fois de voie, puis nous on va faire le tour par la mer. C'est bien pris, pour information, elle nous a toujours pas vu, elle redescend vers le sud, donc elle prend la route direction le sud. Hein. Ok, c'est aussi. Continue tout droit. Je compte, ouais, je prends pas à gauche. Hein. Non, non, tu continues tout seul. Regardez, bravo. Transmet. Pour information, elle vient de nous voir, elle part en off-road, elle commence à rouler n'importe comment, on a activé notre position GPS, je vous laisse nous suivre. On aurait dû essayer de faire demi-tour. Ouais, fais demi-tour, fais demi-tour. Ouais, tu reprends dans Waterford là, Waterford. Elle va reprendre, sinon on arrive juste, on va choper depuis notre côté. Ouais. Si je passe par là, c'est bon, y'a pas de lac. Attends, y a bon, si y'a un lac. Par contre, on devrait enlever les détours pour qu'ils soient. Pour les fiches surprises. Information, bravo à Cas. Ok, c'est aussi. Alors il est un autre. J'ai vu un VL par là je crois. Ouais, ouais, il va prendre par là, je crois. Il y a trace de pneus. Devant, il n'y a pas un véhicule ou non, non, c'est bon. Ok, rêve. Après, je sais pas si tu peux te cacher dans ces conneries. Garde bras. Oui, tu peux. Transmet. Est-ce que Alpha aurait toujours le véhicule en visuel? J'ai. Ah, c'est là, en face, oh, midi. J'ai aussi, oh putain. Part en direction du Pôle emploi, Costa Del Mar. Bah, c'est bien, après on vous rejoint à voir. Elle reprend direction Union. Ok, c'est bien, pris autorisation de placer NERF. Autorisé, sur la route principale. Pour information, on n'a pas eu le temps de placer. Ok, c'est reçu. Il va prendre à gauche Union. Alpha, essayez de vous dépêcher d'aller sur Union pour poser une RSA. Ouais, on essaie de se dépêcher. Ils ont une voiture plus puissante que la nôtre, hein. Moi je bloque à 220. Il prend direction Union, il prend direction Union. En fait, là où on peut gagner, c'est sur les virages. Mais quel pilote? Ah bah, il faut jouer avec les points forts et faibles de sa voiture. Hein. Parce que là, clairement, moi en accélération. Oh. Tout droit, ouais, tout droit. Oh le Charan! Achetez Volkswagen! Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, il va au bout. Il va au bout, hein, dites, Mopi. Ouais, pour l'instant, il va toujours tout droit pour le plus qu'on a vu. Ouais, c'est sur le sud, dans la plan visuel pour l'instant. Fais gaffe, il y a un grand. Ouais, ils sont à gauche. On a vu, il est parti dans la petite ruelle là dans les. Ouais.
Non, on va derrière nous, tu sais, dans les bâtiments derrière nous. Ouais, je sais, c'est pour ça. Regarde, je vais prendre le trou à gauche. Oscar d'Alpha. Tu penses qu'il est par là? On pense qu'il est parti en off-road, hein, parce que là, il y a plutôt... Ouais, on va essayer d'aller voir dans le quartier qui est à côté, là, contre le tech. Regardez à droite, gardien, sous brigadier à gauche. Ok. Il y a une transmission de Bravo. Transmet. Ouais, du coup, nous, on se dirige dans le quartier école de police. Ok, c'est au sud, on est en train de longer la... On l'aurait déjà vu s'il était sur la plage. Qu'il est pas côté plage. Attends, vivement les véhicules spéciaux hein, avec la M5, ils vont moins faire les malins. Ouais. Oscar pour Codis. Transmet. Oui, on a une intervention au niveau de l'aéroport. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous le fermer, s'il vous plaît? Il y a une voiture noire devant. Il y a une voiture noire qui repart à Union devant. Sur la deux fois deux voies. On va voir ça, pour l'instant on est occupé. Ok, c'est reçu. On est parti de la Réunion? Ouais, une voiture noire. Bon allez, please, la personne qui passe, SVP. Moi je vois rien à gauche, bon. Là sur Union, y'a pas un truc noir? Si, y'a une tache noire. Si. Y'a deux taches noires, y'a un utilitaire et puis derrière, ça pourrait correspondre au gabarit. Mais il roule pas très vite, ouais. Non, ça a l'air d'être la sécu. Bah, je ne sais plus, y a c'est des la sécu. Oh, c'est chiant, c'est le mec. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je crois que j'avais perçu le véhicule que vous étiez en train de poursuivre. La Mégane noire. Je crois qu'il est parti vers là-bas. Il y a combien de temps? Pardon? Il y a combien de temps, monsieur? Combien de temps? Juste au moment où vous êtes parti là, il y avait deux autres de vos collègues en voiture. Et vous étiez à 3 voitures. Il y a combien de temps? Genre 30 secondes, 3 minutes ou 5 minutes? Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, j'ai une radio et je voudrais vous la donner. Parce que... Ouais, allez-y, posez au sol. Ok. Donc monsieur, ça fait combien de temps? Ça fait 30 secondes, 3 minutes ou 2 minutes? Ouais. Ça fait à peine 30 secondes. C'est tout bon, bonne journée. Ah ouais? Ok. Merci. Bah si ça fait 30 secondes, ça veut dire que il a bien vu après. Ça peut être n'importe où. C'est la RSS à gauche. Ouais. Au pire, on se poste là, hein. C'est quoi, on va pas s'embêter, hein. Parce que nous, avec notre voiture, clairement, on peut pas le courser. Donc à la limite, on se poste dans le secteur ici aux jumelles. Un aux jumelles qui regarde le nord, un aux jumelles qui regarde en face. Et un qui reste prêt à démarrer. Et moi je reste dans la caisse, ok? Donc alors, moi je regarde. Hop. Un qui regarde à gauche, un qui regarde en face, et moi je regarde à droite. Je vous laisse faire une communication comme quoi il serait dans le secteur sud, sous brigadier. Oscar de Bravo. Transmet. Du coup, nous on va retourner sur le secteur de Union parce que ça fait déjà deux fois qu'on le croise. Bon, nous on est déjà sur le secteur d'Union, il a été recroisé il y a quelques. Minute sur Union, donc il est dans le secteur sud. Hein. Vous leur dites de partir sur Costa del Mar. Sur quoi? Costa del Mar. Costa del Mar. C'était Bravo. Bon. Ouais, bravo. Bravo, Oscar. En fait. Vous partez du côté de Costa del Mar. Ce qui était demandé. C'est suivi, en sûr. Oscar d'Alpha. Putain, je vois plus rien avec mes jumelles. Ah, transmettez. Nous, pour l'instant, on est en train de garder la deux fois deux voies pour voir s'il passe pas par ici. Ouais, pas de soucis, c'est reçu. Du coup, ce qu'on va faire, excusez-moi, patrouille Bravo, changement d'intervention. Vous allez partir en sécurisation d'intervention CODIS au niveau de l'aéroport. D'accord? Je l'ai suivi, Bravo, en tirant. Merci à vous. CODIS de police. Ensuite, on vous envoie du monde sur Erie County Airport, c'est ça? C'est bien pris. Oui, je reviens. Ouais, donc une patrouille arrive d'ici 2 minutes. C'est bien pris. Parfait, terminé. Patrouille Oscar de Bravo. Transmet. Demande autorisation de contacter CODIS sur leur fréquence pour avoir plus ample information. Autorisé. Suivi, merci. Oscar d'Alpha. Transmet. Le véhicule c'est bien une Mégane 4 GT. Estate version Adriano Scaletta, enfin version Scaletta, voire FIFO. Attendez.
On a une plaque? Ouais. Donc, pour la plaque du monsieur avec ce véhicule Megane Estate GT noir, constructeur Warfifou, plaque Yankee India 636 Kilo Mike. Yankee India 636 Kilo Mike. C'est bien reçu pour la patrouille. Bon, si avec cette vitesse, on prend aussi, hein. Ah ouais. C'est sympa ce dispositif croisé. On est 72 sur le serveur YouTube, donc ça tourne bien. Ça tourne bien, il y a du monde. Il y a du monde. Flash vitesse, bravo. Ah oui, ça c'était tout à l'heure, je vais le virer. T'as dit quoi la plaque? SY4. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hers, Muppy, Hers. Non, attends, remonte. Alpha d'Oscar. Monte. Vous venez sur Union, on l'a, vous venez sur Union, près du CSP. Prends à gauche. Merde. Là. Descends, j'ouvre le feu, tu descends. J'ai fait quoi? Pour Alpha, interpellation en cours. Qu'est-ce que je fais? Ben, je viens là. Oui. Voilà. Ok, bah c'est lui. Parfait, menottez-le, sous-brigadier. Mais non, vous me notez pas, j'ai rien fait. Vous me menottez. Bonjour pas. Monsieur, arrêtez de bouger, on va vous taser. Vous me touchez pas. Monsieur. Vous me touchez pas. Ah, Monsieur, quand je vous dis arrêtez de bouger ou on va vous taser, c'est pas des blagues. Ça fera un troisième refus de repérer comme ça. D'accord. Sous-brigadier, vous lui passez les menottes. Alors. Vous faites mal en plus avec vos bras là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. C'est pas la même voiture par contre. C'est pas la même plaque. C'est pas la bonne plaque. Mais par contre, c'est bien le bon propriétaire. Ah bah d'accord. Donc, à mon avis, il en a deux des voitures comme ça. Mais non. Il y a moyen. À la limite, on peut essayer de voir dans le site si le véhicule est toujours présent quelque part. Parce que là, on tourne dans la zone pour essayer de le retrouver. Rien fait. Yes. Bah je veux bien alors à ce moment-là. Dès qu'on va aller au central, on va faire ça vite fait. Parfait, merci. C'est vraiment mais et police là. Ouais. Très bien. Sous-brigadier, vous pouvez le mettre dans la voiture, on discute dans la voiture, monsieur. Les bavures. Allez, retournez-vous. Une fois que vous serez en sécurité et puis nous aussi on pourra discuter. Les bavures policières. Vous voulez que je bouge la voiture? Très bien. Ouais. On va de toute façon là, on va bouger. Possible. Je vais juste la mettre derrière. Mais si j'ai pas pris la fuite, c'est que j'ai rien fait, non? Alors, monsieur Ziegler, d'accord, vous êtes recherché pour de multiples infractions avec un véhicule du même type que celui que vous avez, d'accord, donc une Renault Mégane GT. Sauf que le véhicule avec lequel ces infractions ont été commises ne correspond pas à celui-là. Donc, est-ce que vous avez deux véhicules comme ceci? Ben non, j'en ai qu'un. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je suis désolé, mais là. Vous avez un véhicule immatriculé en SY et nous on a passé dans notre SIV un autre véhicule avec une plaque en YI qui vous appartient. Donc vous avez forcément de Megane Estate GT. Ah oui, j'en ai deux, mais je la loue à un collègue. D'accord, elle est où l'autre s'il vous plaît? Bah je sais pas du tout monsieur. Hein. Vous avez les clés? Oui, j'ai les clés. Est-ce que sur vos clés vous pouvez voir la localisation? Je peux pas déjà, enfin, je suis menotté et en plus le nom est trop bon sur le téléphone, on peut pas le voir. D'accord, je comprends. Très bien, ok. Donc monsieur Ziegler, écoutez là, on vous reproche des faits de refus d'obtempérer, d'un excès de vitesse de 139 km/h au lieu de 130. D'accord, donc si le véhicule vous l'avez prêté en effet à un ami, comme vous le dites, vous savez comment il s'appelle votre ami? Oscar Duff. Bah oui. Il s'appelle comment? Donc, l'ancienne plaque est James. De Billy Ziegler, James comment?
toujours la plaque Laszlo. D'actualité. James Laszlo. Mais après, je sais pas, c'est, ça se trouve, il est avec quelqu'un, c'est peut-être pas lui qui tombe. D'accord. Très bien, donc monsieur James Laszlo, soit vous essayez le retrouver avec nous, et à ce moment-là, si monsieur Laszlo avoue vos infractions, vous ne serez pas verbalisé. Si vous refusez de nous aider à le retrouver, ou s'il n'avoue pas ses infractions, à ce moment-là, vous paierez l'amende, étant donné que vous êtes propriétaire du véhicule et donc responsable de ce qui se passe avec ce dernier. Ok ? Donc, vous êtes recherché pour un excès de vitesse de 189 km/h au lieu de 130, un refus d'obtempérer, une conduite en off-road et une conduite dangereuse. Un usage abusif de klaxon et je crois qu'il y a plusieurs refus d'obtempérer au final. Ouais. Mais bon, hein. Il y a plusieurs refus d'obtempérer. En plus de ça, vous avez un casier judiciaire bien chargé, monsieur Ziegler. Ah bon ? D'après ce que j'ai vu sur Interpol, on vérifiera ça au commissariat. D'accord, ce brigadier, je vous laisse lui citer ses droits et puis on va contacter les dépanneurs. Me... Ça a été fait ? Très bien. Vous occuperez du contrôle de A à Z, ce brigadier, ok ? Vous gardien, vous gardez le dispatch et puis je prendrai la 80. Transmettez. Je veux vous dire, monsieur le collègue, le gardien a été pas mal, il a eu un souci cerveau. Du coup, je suis seul en bravo, il a dit qu'il allait revenir. Donc, vous m'aimez beaucoup, hein, vous je pense que je vais aller chercher au niveau du commissariat central. Hein. Je suis sur le comment ? Moi c'est reçu, pas de soucis, à ce moment-là, vous en êtes où de votre intervention, c'est bientôt fini. Pour information, il n'y avait rien à faire sur la piste, juste l'hypothèse du meurtre, donc il y aurait quelqu'un qui aurait poussé son collègue. Bon, j'ai pas plus d'informations, par contre j'ai un véhicule qui roule sur la piste, donc je vais lui faire juste un rappel à l'ordre, sachant qu'il n'est pas vraiment sur la piste, il est sur le côté. C'est quoi, on fixe un point de rendez-vous ? Moi c'est bien reçu, patrouille, bravo. Comment ? Fixe un rendez-vous, un point de rendez-vous à une place, qui ramène son ami. Bah là, il veut bien nous aider à le retrouver. Bon, en fait, au début... Il est d'accord pour nous aider à le retrouver ou pas? Bah, je vais poser la question. Ouais, s'il est d'accord, il donne son numéro de téléphone, il l'appelle, il vient. Si dans 5 minutes, il est pas venu... Oui. En fait, je pensais quand... Des bonnes de police. Quelqu'un d'autre dans la voiture, ça allait tasser les choses et me laisser tranquille. Ouais, bonjour, on aurait besoin d'un plateau au niveau d'Union City, s'il vous plaît, pour une Megan Estate noire. Est-ce que vous en avez un dispo? Oui. Bien sûr, j'arrive tout de suite, je suis là dans 2 minutes. Suivi, un repère a été placé du côté de Union, à côté de la préfecture. T'as besoin de chercher quelqu'un d'autre, il prend tout sur son dos. Ok, très bien, il prend tout. Pas de soucis. Ouais, voilà, les dépanneurs sont appelés, on attend qu'ils embarquent. C'est bon. Du coup, ce brigadier, je vous laisse prendre les clés de son véhicule, parce qu'on en aura besoin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, gardien ? Il y a un véhicule qui fait des drifts ? Ouais, le véhicule de l'école qui vient de passer, il a regardé les traces de flux, il a fait des drifts. Il a pris à droite, là, directement, en drift. Il a klaxonné, il a pris un drift. Voilà. J'ai pas de plaque, j'ai rien. Juste ulti. Ok, bon bah. S'ils veulent s'amuser, on va s'amuser. Laquelle, parce qu'en fait, je sais pas c'est du ça. Tout laquelle c'est, monsieur. D'accord, mais vous verrez pas l'endroit. Hein. C'est pas grave. C'est quoi, votre trip, monsieur ? Tenez. C'est pas mis sur votre... Ouais, c'est plus écrit sur les cartes, ce brigadier. 2582. D'accord. En gros, c'est un Glock, c'est pas illégal, c'est un pistolet. Mais bon... Ah, c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Pas de soucis. Ah ouais, j'ai donné les deux, oui. Vous restez là, vous me dites s'il repasse Romain, sur le plus. Ouais, bah c'est Romain, merci. Ok. Il est belle. Il est où le monsieur ? C'est celui qui est sur le parking ? Non. Non, c'est pas lui. Je pense que c'est pas lui. Très bien. Non, c'est pas lui. Donc l'auto-école là et la Sirocco en trouble à l'ordre public. Ça. Puis ça, monsieur. Bonjour, je vous laisse avancer. Je crois que ça voulait dire libérer Billy. Hein. Fais quoi, on essaie de faire une recherche ? Monsieur. Pour le monsieur ? Non. Non, pour l'autre voiture. Pour l'autre voiture ? Bah le souci c'est qu'apparemment le nom est trop long, on n'a pas la distance, c'est ouais, ça sert à rien. Bonjour monsieur. C'est pas grave, il prendra. Bonjour. Dites-moi. Bah écoutez, je vous laisse embarquer la voiture sur le plateau, on va vous donner les clés à transporter au commissariat central. D'accord, parfait. Bah ça sera au FIPS 021 s'il vous plaît. Transmettez. Du coup, est-ce que ça serait possible de voir avec des panneurs ? Bonjour. Vous avancez jusqu'à moi s'il vous plaît. 4 GT noirs qu'ils auraient remorqué. Pour
Oui, je parle à vous. Par rapport à Billy Ziegler, histoire de voir s'ils ont pas remorqué son premier véhicule. Billy Ziegler. Ouais, je vais voir ça, mais à mon avis, non, puisque le deuxième véhicule, il l'a prêté à un ami. Okay. Allez-y, sur le trottoir, montez. Je pense qu'elle va. Je vais essayer, mais j'ai peur qu'elle soit trop basse. Non, vous inquiétez pas, ça passe. Voilà. Parfait, mettez clé de route de droite sinon. Nickel. Descendez du véhicule, s'il vous plaît, vous me présentez permis de conduire. Enfin, pardon, votre attestation d'heure de conduite. Quelle attestation? Bah là, vous êtes en heure de conduite, non? Vous faites de l'auto-école, passez votre permis. Présentez-moi votre permis, votre carte d'identité si vous préférez. Attends. Monsieur Enzo Marti. C'est ça. Ok. Très bien. Très bien, les papiers sont en règle, je vous laisse circuler. En Houston, bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Allez, on est parti, nous. Ok. Ouais. Franchement, dans la police, vous m'aimez. Hein. Pourquoi vous dites ça? Vous avez une autre manière de le montrer, ouais, mais... tout ça, voilà. Hein, messieurs? Pourquoi vous pensez qu'on vous aime? Bah, je sais pas, vous venez tout le temps m'arrêter, c'est une drôle de manière de montrer que vous m'appréciez, mais... Bon. Mais qui vous a dit qu'on vous appréciait? Bah, je sais pas, tout le temps venir m'arrêter... J'ai toujours des histoires avec vous, je me dis que c'est peut-être l'effet de l'amour entre nous, hein. Ouais, non, je pense pas, non, je pense que le code pénal, il vous aime pas tant que ça. Parce non, que vous avez quand même pas mal d'infractions à votre compte, monsieur Ziegler. J'ai quoi sur mon compte, monsieur? J'ai rien fait. Ouais, si, vous avez beaucoup d'infractions. Ah, j'ai des infractions, pourtant... Oh, pardon. Ah, mon nez. Ça va? Vous êtes pas blessé? Oui, ça va, c'est juste, ça a tapé un petit peu. Ah, si vous voulez une assistance médicale, n'hésitez pas, hein. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et du coup, vous allez la détruire, cette voiture-là? Non. Celle-ci ne sera pas détruite. Après, ça dépend ce qu'on retrouve sur notre fichier Interpol. Si vous avez fait un précédent refus d'obtempérer avec cette voiture, à ce moment-là, oui, elle sera détruite. Ah, d'accord, ok. Là, par contre, les infractions de celle-là, c'est peut-être pas moi. Vous informez que la garde d'un AP Beaumont est revenue, du coup, remise en service de la patrouille, bravo. Moi, je laisse direct de ainsi que je vous pose la question, est-ce que l'intervention au niveau de la Mégane est finie? Ouais, intervention ouais, qui est en cours d'être terminée, là, puisque Oscar est indispo, contrôle total au commissaire central. N'est pas dit pour okay, le total. Ok, c'est bien pris, donc je vous... redit, donc le véhicule avait été flashé à 189 au lieu de 130 auparavant. Donc si vous voulez une vitesse, j'ai celle-ci. Oui, pas de souci, ça avait été noté depuis Union Centre direction Vanderville pour la vitesse. Fermé. Allez, rentrez dans la pièce. D'accord. Ah oui, c'est vrai que vous êtes équipé, que pardon, vous êtes équipé maintenant. Vous avez rien de dangereux d'illégal sur vous, monsieur? Bah, j'étais à Jardiland. Je sais pas si Jardiland c'est illégal, mais bon. Qu'est-ce que ça sera privé du véhicule? Il a été fouillé. Vous démenotez, je vais vous déposer vos habits. Pas d'infos, attendez. D'accord. Prenez les clés au dépanneur, s'il vous plaît. Mais donc, Jardiland, monsieur, c'est illégal ou pas? Ah, ça après. Allez vous mettre contre la fenêtre. Ah, oula, pourquoi je cours? Excusez-moi, je vous trompe. Oh! Le dépanneur n'a pas les clés non plus, le collègue apparemment a directement ouvert la porte. Ah, vous avez pas donné les clés du véhicule au dépanneur s'il vous plaît? J'arrivais pas à savoir quelle c'était, je vais pas lui donner. Ah! Ouais, bah donnez-moi les deux 941. Bah on attend, j'arrive. Bravo Doscar. Vous pouvez partir sur Union City, il y a une explosion s'il vous plaît. Oh, merci. Affirmatif, on est sur place, il y a un individu au sol, de toute façon on a appelé les SP. Ouais, ils ont l'air d'être sur place les SP, mais vous avez communication avec eux sur la 90. Je vous laisse baliser du coup. Je vous remercie. Alors. Ouais, ok, c'est clair. On va pas la détruire celle-là. Ça marche. Oh, ça crame bien. Hein. Ça crame bien YouTube. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît.
et la petite série de vidéos de sur Vice City vous plaît. J'espère que la map vous plaît, j'espère que ce qu'on y fait vous plaît. Ça faisait froid quand vous parlez quand même. Mais bon, j'aime ça. Non monsieur, on n'est pas encore au centre aéré ici, hein, d'accord. Donc concentrez-vous un petit peu plus sur le contrôle de mon collègue. Ouais, vous me donnez vos 25 Xen. Ouais, mais... 582. Oui, je me souviens maintenant. Mais du coup, vous me donnez 12 500. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il a de la drogue? Ouais, il en a encore 7 sur lui. D'accord. Alpha d'Oscar. Si vous voulez, moi, mon RIB, c'est 46-59. Hein. Vous pouvez me donner... Vous partez, s'il vous plaît, sur Gatewood pour le braquage. Bravo, d'Oscar. Ensuite, Alpha. Est-ce que vous avez de la sécu sur place, sur Union City? Bah oui, il y a de la sécu. Suivi à ce moment-là, est-ce que vous avez des pompiers sur place? Montez, c'est encore crash, c'est une blague. Attends, faut que je fasse un call. Signataire 17. Va falloir faire quelque chose pour le crash test. Je pense que je vais essayer de le réinstaller. Hop. Parce que c'est pas normal. Hop. Et surtout dans des communications comme ça de braquage, c'est hyper relou. Là fallait envoyer du coup ce que j'allais dire, c'est bravo. S'il y a les SP sur place, vous partez sur le braquage, vous contactez la sécu. De retour sur les ongles pour le capitaine Lork. Du coup bravo, il y a du monde sur place pour sécuriser l'intervention. Allez-y. Révolution. 1, 2, 1, 2, bravo. Oui. Révolution. Oui, il y a du monde sur place pour sécuriser l'inter. Affirmatif, donc on a une seule victime au sol et la dépanneuse est déjà plus là, donc il y a une unité de pompiers plus le SAMU. Révolution. Ok, c'est suivi, merci à vous, excusez-moi pour mon erreur radio. Du coup, vous partez pareil sur le braquage de Gatewood. Je vais demander à patrouille. À la patrouille qui arrivera en dernier de fermer la ville, d'accord, au repère que je vais placer, et puis l'autre s'aventurera dans le SFR. Donc vous fermerez la ville, et puis la patrouille qui a fermé se rejoindra ensuite sur l'inter. Ouais, c'est bien pris. Du coup, on ferme à quel niveau, du coup, au niveau du point que vous allez nous placer? C'est ça, c'est indiqué, vous sécurisez la zone ici. C'est bien pris, du coup, on placera un numéro de barré. Bon, alors, monsieur Ziegler, décidément, il s'en passe des choses avec vous. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que, ah oui, je crois que c'était vous hier. Vous avez pas eu un problème avec Megan Estate Noir? Je vois rien sur lui. Non, ça me dit rien hier. Vous avez pas. Parce que j'ai eu un collègue, là, mon collègue à qui je prêtais notre voiture hier, il s'est fait arrêter par la BAC apparemment. Et ben, il y a eu une course-poursuite avec. Sauf que ben, on était tous les deux en course-poursuite. Ah, d'accord. Mon TS est incroyable. C'est incroyable que TS crash à ce point. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi YouTube. Je vais le réinstaller après, parce que c'est pas possible du tout. Hop. Puis, de toute façon, après le contrôle, moi je vais prendre une fin de service. Deux là ? Si c'est pas. J'attends. Oscar d'Alpha. Transmettez. Ouais, du coup, l'individu souhaite négocier, du coup, garder la paix. Et c'est seulement, puis je vous jure qu'on va faire venir un nouveau gouvernement. On n'a pas de véhicule aux alentours du SFR, on va rester sur zone en attendant l'arrivée de la patrouille. Bravo, en supplément. Mise en danger de la vie de plus de 50 000 euros. Ça vous fait un capital de 159 000 euros. Évidemment, vous avez moyen de payer, monsieur. Non, c'est celui d'Alpha. Très bien. Prenez l'amende 3 fois, si vous voulez 3 fois, on va refuser de payer l'amende. J'ai mis bravo, on est sur les lieux, on est en train de bloquer la zone. Si vous refusez de payer l'amende, c'est bien pris. Sécurité de police. N'hésitez pas à appeler la sécurité pour bloquer la zone, mais pour l'instant, bloquer la zone, mais quand la sécurité sera là. Oui, bonjour, on a besoin d'une voiture au commissariat central pour faire un peu de surveillance prison, s'il vous plaît. Très bien, j'envoie une unité.
Merci, c'est reçu, elle arrive dans combien de temps? 5 à 10 minutes. Sécurité de... 5 à 10 minutes, ils sont à quel niveau? À Union. Ah, ils sont déjà sur une inter, c'est ça? Oui. Bon, c'est reçu, bah à ce moment-là, on attend la voiture, je vous recontacte si on annule. Est-ce que vous avez une autre unité dispo? Non. D'accord, c'est reçu. C'est suivi pour patrouille Bravo qui est sur fréquence? C'est la moitié de la somme qu'il va recevoir. Est-ce qu'il est armé, le monsieur? Affirmatif, il est armé d'un pistolet. Alors pour le véhicule de police, ça va pas être possible. Par contre, je vous laisse négocier. Je suis enfermé dans une salle pour que j'étais surveillé pendant 10 ans, du coup, parce que la prison ne marchait pas. Enfin, elle marchait pas, il y avait trop de monde en fait. J'amène en prison pour 5 ans. Ouais, bah moi, on va la déposer à la sécu. Allez-y, sortez. Ouais, mais oui, vous prenez votre fin de service ici? Ouais, je vais prendre en fin de service. Ouais, pas de soucis, bah on va se débrouiller alors. Ok. Arrête. Non, s'il vous plaît, me mettez pas. Il fait. Je gère du coup la 80. Ouais, très bien, très bien. Transmettez. Non, Mepi. Mepi, mettez-le dans la voiture. Parce que nous, on va partir sur Inter. Bleu, garé sur la voiture. Ouais, mettez-le dans la voiture, on va voir avec la sécu. D'accord, je vais un appel dispatch à propos de ce véhicule là. Et ils m'ont dit que ce véhicule là préparé à un braquage. Donc c'est le complice du braquage. Donc faites attention. C'est bien pris, par contre je crois qu'il nous a vu, du coup je sais pas ce qu'on fait, on est juste à côté, on est à moins de 5 mètres. Juste, vous avez une bouteille d'eau s'il vous plaît? Écoutez, je vais vous mettre avec Alpha si vous trompez. Normalement monsieur, c'est 46-59, ce je vérifie, oui, 46-59. On voit ton nom, payé. Voilà. Excusez-moi pour la venue. Merci. Je laisse monter dans la voiture, monsieur. Yep. Je vais le remonter comme ça. On peut me l'embarquer. Et puis après, hop. On va voir avec la sécu parce que nous on va partir sur Inter. Ok. Parfait. Bah, je vais prendre ça. Allez, pas de soucis, bon courage. A plus. Donc monsieur voudrait une voiture lambda ou quoi que ce soit. 50% de la somme et qu'on le laisse repartir et moi je pense qu'on a. Vous avez entendu le capitaine? Une voiture lambda, 50% de la somme, il prend son arme. C'est ça. On n'a pas de voiture à disposition. Attendez, laisse-moi réfléchir. Bonne soirée, il y a un attente devant le négociateur. Eh zinc, on n'est pas la sécurité. Transmettez. Du coup, monsieur demande 50% de la somme et une voiture civile ou quoi que ce soit, histoire qu'il puisse partir. 50% de la somme avec l'arme. Hein. Ouais. S'il veut une voiture, c'est avec l'arme aussi. Hein. Ouais. C'est reçu. C'est reçu, gardien? Oui, c'est reçu, c'est reçu. Ouais, mais faut le transmettre à Bravo. Ah, je vais t'ennuyer, je vais t'ennuyer. Vous me recevez, Bravo? Ah, merci. Bravo, ah, Oscar. Transmet. Ah, plutôt négociateur de Oscar, excusez-moi. Sécurité de police? Oui, transmettez. Vous êtes où du côté de Union? 50% de la somme avec l'arme et fils complet pour le ramener. Ah, vous venez d'arriver au central? Oui, il est sur ok. Voilà, par contre, je vous laissez pas partir. Si ça part, vous me prévenez de. On arrive pour la police. Sur Oscar, d'accord. Oh non. Monsieur. Oscar de Bravo. Monsieur Ziegler, comme vous pouvez voir, je suis un peu occupé donc. Mais ça m'a dit. J'ai un message de lui, comme si j'avais pas été trop longtemps. Et du coup, j'ai la tête en dehors de la voiture. 3, vous avez fait le on va vous mettre avec les agents de sécu. Oh les poucas. Ok, c'est bien pris. Très bien. Bonjour. 5 ans pour lui, du coup, vous faites le trajet jusqu'à la prison. Vous attendez 2-3 minutes avec lui, puis après, c'est tout bon. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à noter le plat du véhicule? Hop. Allez, il est démenoté. 770 XP. Oups, vous voulez que je sois derrière plutôt? Ah, y'a pas de soucis. Okay. IP, ah, c'est vous, 0 XP. Affirmatif. Ok, c'est bien. Regardez le négociateur. Ouais. C'est le négociateur. Du coup, le monsieur est d'accord pour 50% de la somme et qu'il donne son arme, mais il attendra le véhicule avant de tout donner. On va lui donner le véhicule. Et c'est bien pris, on va lui donner le véhicule, d'accord, donc je laisse le faire patienter et bien lui faire comprendre que c'est pas si facile de récupérer un véhicule comme ça, d'accord. Ouais, c'est bien reçu.
On va le sortir ici, il n'y a pas de commissariat dans au sud là. Non, il n'y en a pas. Au sud. Transmet. Oui, bravo, revenu du mot du sol. Dans 4 problèmes, je suis le seul pour intervenir dans le SFR, moi. Réitéré ? Étant donné qu'ils sont... Est-ce que ce serait pas plus utile que la patrouille Bravo revienne au sol et non pas en haut du parking, car en cas de problème, je suis le seul à pouvoir intervenir dans le SFR. Ils couvrent l'arrière du SFR, mais en cas de problème, je suis le seul à pouvoir couvrir le négo. S'ils ont l'arrière que vous avez l'avant, pour moi, ça me va. Ouais, c'est celui, si ça part à l'arrière en courant, ils pourront pas interpeller vu qu'ils sont loin et en hauteur. Bah, à ce moment-là, Bravo, vous redescendez, puis vous vous mettez au contact sol. On est en train de sortir une voiture pour eux. Au sein de Bravo. Transmettez. Oui, donc est-ce qu'on a l'autorisation de faire partir le monsieur express, sachant qu'il fera rien, il se montrera pas, à mon avis, c'est en cas de légitime défense, il va venir en derrière nous, donc si on part derrière le magasin, il va être encore derrière nous, donc vaut mieux faire partir pour qu'on puisse intervenir par derrière, parce que là, il va nous cramer. Dans tous les cas, il faut que la sécurité du négociateur soit engagée, patrouille Bravo. D'accord ? Merci. Donc à ce moment-là, je préfère que vous soyez plus proche à l'arrière. Nous, de toute façon, on arrive avec un CENI qu'on va lui donner. Hop, vous prenez le Charan, gardien sur la privée. Pour celui-là, est-ce que je vois la distance ? Non, je vois pas la distance. Oscar de négociateur. Transmettez. Allez-y, go, 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 passez devant. Le véhicule arrive dans 3 minutes, on part de Union. Ouais, c'est bien reçu. Je suis sur la privée. Hein. Sur la privée, essayez de m'inquiéter s'il vous plaît, parce que je connais pas trop les. Comment ? Ah, à droite, à droite. Patrouille Alpha d'Oscar. Transmettez. Ouais, de là où vous êtes, vous confirmez, il n'y a qu'un endroit de sortie, c'est le pont par lequel vous êtes arrivé. Affirmatif, l'autre pont est bloqué. Suivi, donc nous on va fermer le pont au passage, on va RC, et puis à ce moment-là on pourra intervenir plus facilement. Ouais, c'est suivi d'Alpha. Oscar, bravo. Transmettez. Si ça sort par derrière, on aura tasé. Non. Vous. Non. Enfin, si la négociation est rompue, oui, vous tasez. Sinon, le monsieur, en théorie, il devrait repartir avec la voiture. Hein. Ouais, c'est bien pris. Oscar de négociateur. Transmettez, négociateur. Je peux avoir une info sur le moteur qu'on a entendu près du SFR. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, y'a aucun véhicule. Pour information, Bravo, c'est placé à l'arrière du SFR. Donc, on est derrière le véhicule et mon collègue est dans une maison en haut. Ah, c'est bien reçu. Hein. J'arrive à avancer, hein, gardien. En théorie, là, si on a fait un truc propre, ça passe. On est forcément obligé de le choper. Si on a fait un truc propre, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Pour toutes les unités d'Oscar, pont bloqué, air se placer en sortie de pont reçu. Suivi d'Alpha. Donc ce qui va se passer, patrouille Bravo, vous vous préparez à ce que le monsieur parte en refus d'obtempérer avec le Scénic, du coup. Donc moi, le Scénic, je vais le mettre pour qu'il parte en direction de l'ouest. Ok, pour qu'il soit tenté de passer vers le pont et du coup vers la herse. Ouais, donc à ce moment-là, restez à proximité de votre véhicule, ok? C'est bien pris pour information, l'express il vient de bouger, je n'ai pas du tout d'informations étant donné qu'on l'a lâché des yeux. D'accord, vous pouvez juste me mettre un repère point de là où serait l'express? Aucune information, il est parti, on a aucune information. Oscar de négociateur. Transmettez. Un
l'individu demande quand est-ce que le véhicule arrive. 30 secondes. L'express je l'ai, il est reparti en direction du pont. Donc si se tape la R, à ce moment-là, ça mettrait le plan à l'eau. On va voir. J'arrive, hein, pour information, j'arrive. J'arrive, ouais, je suis sur la prise, Donc pour les patrouilles, je vais mettre le scénic devant ouvert. D'accord. Pour mon collègue d'Oscar, s'il vous plaît, faut mettre le... Vous avancez le charan, s'il vous plaît, jusqu'à moi. S'il vous plaît, le collègue de Oscar, faut qu'il vienne côté Pôle emploi. Prenez à droite, continuez tout droit. Vino tout droit, et ce sera la prochaine à gauche. Pour le négociateur, vous dites que le véhicule se présente dans 10 secondes. Ah mais c'est là ? Bonjour monsieur, vous attendez deux petites secondes s'il vous plaît. D'accord. Vous allez baisser votre arme par contre monsieur, on va pas vous tirer dessus, vous voyez on a nos armes dans le dos. D'accord. Alors, du coup monsieur, très bien. Avec les là, je vous laisse mettre votre arme au sol avec les. Dans l'autre sens Vino, mets le véhicule dans l'autre sens puisqu'il va partir dans l'autre sens, regarde comment j'ai passé la scénic. Nickel, je vous présente l'amende qui va céder du coup à 50% de la somme, d'accord. D'accord. Pour Alpha et donc le brigadier Boria, quand le véhicule part, vous prenez le négociateur, vous partez en direction du sud, non par direction du nord, ok. C'est suivi le sud et ensuite direction le pont. Oui, pour Bravo, j'aimerais que vous preniez de l'avance, s'il vous plaît, et que vous partiez plus en direction de Jamestown et du pont. Ouais, c'est bien. Ou à la limite, même au repère, Bravo. Ça part, par Vino, vas-y. Transmettez, négociateur. Donc ouais, le véhicule est parti. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est suivi, on est juste derrière. Donc balis GPS d'Oscar activé, ça prend, ça fait le tour du petit pâté de maison. On part en off-road directement en direction du pont. Donc je répète, on part en off-road en direction du pont. Patrouille Bravo, vous me prenez la route standard s'il vous plaît. D'accord, on va rester avec Alpha en off-road. Vous vous prenez la route standard et vous partez du côté de Jamestown, reçu. Prends pas de risque, ok. Surtout, tu prends pas de risque, tu restes tranquillou derrière. De toute façon, on va plus vite que lui. Donc... Voilà, on va plus vite que lui, il a pas d'arme. Donc, pas de soucis. Le but là, c'est de pas mourir dans un accident débile. Ouais. Alpha d'Oscar. Transmettez. On arrive du côté pont. Hein. Ouais, c'est bien reçu. On est juste derrière. Suivi, donc comme prévu, l'express. Vous m'interpellez l'express là, s'il vous plaît, Alpha. Au niveau du pont, vous sortez le gars, il s'est pris la herse. C'est reçu, on arrive, on est juste derrière. Alors la seule ouverture Vino est à gauche, d'accord, tu vas voir il pourra pas passer. Donc ralentis bien, fais gaffe à ce qui pile. Donc du coup pour Alpha comme je vous ai dit, vous me sortez le gars de l'express, vous l'interpellez, vous faites contrôle des papiers. Et Bravo, vous vous rejoignez à la course poursuite. Bravo, en sortie de pont, faut serrer soit à gauche soit à droite. On part en direction d'Union City. Sécurité de police. Transmettez. Oui, rebonjour, c'est le capitaine Lorg de la police nationale. Est-ce que vous avez une patrouille disponible? Oui. D'accord, vous êtes à quel niveau? Je la contacte, attendez. Je te coupe les deux tons. Ah, merci. Donc pour Alpha, non pardon, correction, pour Bravo, on a tourné direction Union City. Bravo, vous êtes planté ou pas? Pour l'unité de sécu là, s'il vous plaît, il y a un Peugeot Partner qui est sur Union City, on est à la poursuite d'une voiture de police Renault Scénic. On prend la 2x2 voies. Merci, il faudrait mettre un barrage à la sortie de la 2x2 voies Nord Union. Merci à vous, terminé. D'accord. Transmettez. Vas-y, à gauche. Est-ce que le braqueur s'appelait Will Ninez? Aucune info, négociateur, vous pouvez avoir de l'info là-dessus ou pas? Négatif, s'il avait pas de véhicule de fuite à première vue, donc on peut pas dire. De toute façon, Alpha, vous m'embarquez la personne qui est dans l'express, d'accord? Il est potentiellement complice. Est-ce qu'il a une arme sur lui? Essayez de lui faire cracher le morceau. Ouais, c'est bien reçu, on va essayer. Donc pour information, pour Patrouille Bravo, on est du côté de des mines, là, au centre de l'île.
À gauche. Parfait. Tranquillou. Le gardien qu'on a avec nous conduit au volant. Le type conduit au volant là. Celui qui conduit le charène est au volant. Je l'avais pas vu. Oh là. Sécurité de police. Tranquilité. Oui, du coup, est-ce que vous pouvez vous mettre en barrage comme je vous ai signalé sur la 2x2 voies? Donc, une voiture au nord d'Union de la 2x2 voies et une autre qui serait à l'intersection avec la ville de Vanderville. Je vais prendre. Merci à vous, terminé. Transmettez. Confirmé, vous avez toujours le véhicule en visu? Ouais, on confirme. On est au niveau de la mine de cuivre là, charbon. On va revenir sur vous. Négatif, on part en off-road. Ah, si on revient sur vous, faudrait. Pff, compliqué de RC là pour vous, patrouille Bravo, donc restez tranquillement à distance derrière. Pardon, correction, c'est patrouille Alpha qui est derrière nous. Non, ah non, c'est Bravo, autant pour moi. Autant pour moi. C'est vous qui avez reçu l'appel comme quoi c'était son complice en Peugeot Express? Oui, c'est moi. D'accord, qu'est-ce qu'il disait précisément, le gars qui a appelé? Il disait qu'ils étaient deux armés, je crois, donc Peugeot Express bleu, et qu'il préparait le braquage à Watergate. Et comme il a dit, en fait, le braquage il était déjà en cours. Et après, du coup, quand vous avez un problème de cerveau, là, j'ai demandé confirmation qu'il y avait ce Peugeot Expert. Ils me l'ont donné, donc je savais que c'était vraiment quasi possible. C'était quasi sûr qu'ils étaient deux, quoi. Ok, c'est reçu. Alpha d'Oscar. Patrouille Alpha, patrouille Oscar. Il a une arme, votre Gugus, ou pas, du coup? Négatif, et il dénie totalement être complice du braquage. Ouais, ok, c'est reçu. Donc moi, j'ai mis en place des barrages d'agents de sécurité à différents points. On est toujours en course-poursuite devant QG dépanneur. Patrouille Bravo, vous êtes toujours derrière? Ouais, c'est reçu. À ce moment-là, faudrait tenter de placer une herse quelque part, sauf que je sais pas trop. Parce que le monsieur, là, on va voir s'il tourne à droite ou à gauche. C'est sûr, pour Alpha, vous avez plus les clés du véhicule? Quel véhicule, patrouille Alpha? Le véhicule de police, vous êtes à Carrosa. Si, si, ouais, on est derrière. Prenez à droite, Bravo. Continue tout droit, toi. Ouais, c'est sûr, pour Alpha. Du coup, sur le véhicule du monsieur, là, le véhicule prochain à droite. Il y a deux noms sur la carte grise du véhicule. Donc, possiblement, si c'est bien son complice. Parfait. Ouais, merci, du coup c'est ça qui nous manquait, une bonne preuve solide. On est toujours en course poursuite dans Union en attente de le choper. Tout droit, vas-y, fonce. Ouais, c'est sûr, ouais. On garde le possible complice sur notre position. Il a pris à gauche. Ouais, il monte sur le trottoir en fait. Transmet. Ça refait demi. Ouais, on a vu ça, on est derrière vous. Donc ça repart direction Sud Union, vous confirmez? Ok, c'est reçu, on est derrière. Restez derrière lui tranquillement, ne tentez rien, on va pas éviter de provoquer un accident inutile. On va essayer de RC, nous. Je vais prendre l'appel. Pour information, Oscar prend l'appel dispatch, donc aucun appel sauf urgence, merci. Bonjour monsieur, police secours à l'écoute, quelle est la nature de votre appel? Bonjour, je me trouve au pont menant à la ville de Jamestown. C'est barré. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Bah écoutez, regardez un petit peu derrière vous. Non, plus sérieusement, on est en intervention de police, monsieur. Désolé, c'est compliqué, ça va être réouvert d'ici un bout de temps. Alpha, vous me hercez le bout du pont, s'il vous plaît, vous hercez le bout du pont, on s'engage. Ok, du coup, ça sera pas réouvert avant la tempête, je suppose? Si, ça devrait être réouvert avant la tempête. C'est sûr pour Alpha, le pont est. Ok, ça marche, pas de soucis, bah, je vais pas raccrocher du coup. Pas de soucis, merci, bonne journée, je vous laisse raccrocher. Alpha, s'il vous plaît, préparez-vous à interpellation, bravo de même. Transmettez. Ça court à droite, va falloir taser, bravo. Arrêtez-vous, monsieur, ça sert à rien. Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez, je vous tasse pas. Regardez, on est à 3 mètres. Voilà, merci. Pour toutes les unités, individus interpellés. Bien joué. Parfait. Vous le menottez, s'il vous plaît. Ouais, prenez-le. Vous allez le menotter. Allez. Il va falloir l'identité pour. Parfait, ouais, voilà, c'est ça, l'identité. Bon, désolé, Alpha, du coup, de vous avoir fait poireauter un peu pendant un quart d'heure, mais lui, on pouvait pas le laisser partir. Parce qu'on avait un appel 112, enfin,
un appel sur le téléphone qui était hyper précis concernant les deux personnes, donc c'était quasi sûr que c'était bon, quoi, et que c'était... Ouais, non, bon, j'ai essayé de le faire pour ôter, j'ai vraiment tout tenté, il est déni, hein, j'ai... Donc, ouais, pas de soucis. Il est dans votre voiture vraiment, il est là. Ouais, très bien. Pauvre sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, merci beaucoup pour l'aide, désolé, c'était un peu compliqué. Puisqu'en fait, c'était suite à une négociation de braquage. Le monsieur était en Renault Scénic, là, de police. Vous venez d'arriver, là? Vous venez d'où? Oui, à l'instant. Vous venez de... du Nord? On est passé à côté de vous. Vous êtes arrivé dans le sens contraire à nous. Ouais, ok, très bien. Bah, parfait, du coup, c'est maîtrisé. Merci à vous. Vous pouvez contacter votre centrale pour lever les barrages, s'il vous plaît, du côté du Nord. On m'a dit justement que vous aviez intercepté la Scénic. Parfait. Et eh ben merci beaucoup de votre initiative, messieurs. Merci. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Parfait. Voilà, la sécu, nickel. Ouais, confirmé, c'est lui. Et nickel. Il a confirmé Willinès de Mercure et son nom sur la carte grise. Ouais. Non, mais tu vois, la strat était bonne, quoi. Bon, après, ça me saoule que lui, il s'est pris la herse. Parce que, en théorie, et là, tu vois, le gars, il allait direct sur le pont, quoi. Donc, vu que j'ai bloqué il au bout. Revenu sur zone. C'était sympa de ouais, part, ouais. Ça. Bah, ouais, clairement. Parce que là, moi, je voyais pas trop comment l'arrêter, hein. À part lui faire une provocation d'ouverture de feu, genre, je me mets devant, arrêtez-vous, j'ouvre le feu, il est obligé de m'écraser, du coup, je tire, et voilà. Mais. De toute façon, il pouvait pas nous échapper, il y avait le marqueur GPS dans la voiture. Donc... Ouais, mais non, parce que le nom est trop long, tu sais, je vois pas les distances, c'est un peu la galère. Ah, c'est vrai qu'il y a un problème avec les. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est bon, on a le véhicule dans le. Dans le dans, enfin, le. Pardon, le suspect dans la voiture, on embarque au commissariat total. Ouais, vous partez tous les deux en Toto. Pour vous, Alpha, c'est le bon nom? Ouais, c'est le bon nom, il y a bien monsieur. C'est le bon nom, vous partez en complicité de braquage à ce moment-là, ok? Cependant, moi je prends une fin de service rapidement, donc je vais laisser mon adjoint conduire la voiture et la ramener jusqu'au commissariat. Bah, pareil, moi je suis en fin de service, donc on va faire. Ok. Transmettez. Putain, j'ai encore crash mon TS. Waouh! YouTube, c'est incroyable! C'est incroyable, c'est incroyable. Va falloir réinstaller TS parce que là. C'est très compliqué. Hop. Le nombre maximal de connexions a été atteint. D'accord. Autant vous dire que j'ai cassé TS. C'est sympa. C'est bon. TS revient à lui. Hop. En tout cas, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu déçu par mon plan. Dans le sens où. Je voulais faire en sorte que vraiment aucun véhicule civil se prenne la barrière, c'est pour ça que j'avais bloqué, mais genre bien bloqué de l'autre côté, et vous voyez le taxi il s'est pas engagé. À mon avis, s'il avait juste sans s'interdire route barrée, le taxi passait et puis il se prenait la herse. Bon, d'un autre côté, ça a permis d'arrêter son complice, donc c'est pas plus mal. Et puis le pauvre taxi qui dit ouais, c'est barré, il se passe quoi, regardez derrière vous. Re, je suis là. TS crash. Du coup, je disais, moi aussi fin de service, on va faire deux patrouilles, Oscar et Alpha. Ils partent tous les deux en total et puis après ils pourront prendre patrouille normale. Il va rester que 3 officiers. Il y a qui d'autre qui prend fin de service? Vino vient de la prendre. Non, Devera. Celui qui était avec moi, Devera. Qui restera Bowman, Vino et Retro. Okay. Le Scénic là-bas, je l'ai mis en fourrière. Vous avez la radio Ouais, le Scénic comme ça en fourrière. Capitaine? Oui. Vous avez la radio continue d'activer. Là c'est mieux. C'est bon, c'est bon. Du coup, excusez-moi pour toutes les unités, fin de service du capitaine Lork ainsi que du brigadier Boria. Le gardien de la paix Bowman et Retrov remontant de l'Oscar. Une seule patrouille d'Oscar à 3. Le gardien de la paix Vino vous rejoint pour le total sur le braqueur. C'est reçu? C'est reçu. Est-ce que vous auriez pas oublié de détruire la Megan Estate? La Megan Estate ne part pas en destruction étant donné que ce n'est pas avec ce véhicule-là que c'est parti en refus d'obtempérer. Monsieur Ziegler a 2 Megan en fait. D'accord, c'est dangereux. Voilà, je vous laisse retirer vos panneaux pour ceux qui en avaient. Félicitations à tous pour l'intervention et puis on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée du coup. Ouais, ça je vais le foutre en fourrière mais. Oh, ça me saoule. Ça me saoule de le foutre en fourrière ce truc. Après, je peux le prendre là-dedans et le carré comme écho. Bah non, parce que faut se reprendre la Golf. Ah. Ça vous dérange pas qu'on envoie votre Golf en fourrière, brigadier? Non, c'est pas grave, j'irai la rechercher. Ouais, vous avez raison, à un moment, c'est moi le capitaine, donc vous irez vous embêter. Allez hop. Moi j'en ai marre, la fourrière, 1500€. C'est le taxi qui nous avait appelé. Parfait. Vous offrir 15 000€. Ouais. Ah mais non, c'est plus 15 000, c'est 1500. Non, c'est 1500. Allez, bon courage, gardien. Bon.
Merci. Donc vous oubliez pas, pour le monsieur, vous faites le contrôle, vous lui retirez du coup l'argent de la négociation, vérifiez qu'il a plus aucun argent sur lui, et ensuite vous verbalisez le braquage, retrait de l'arme et retrait des permis surtout. Ok, okay. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Soirée pour moi aussi, je vais y aller de même. Au service du capitaine Lorque, bonne soirée à tous. Voilà, YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très sympa, vidéo d'une heure. Tu te rends compte que tu passes dans un reportage 90 minutes enquête de 1 heure, la fin du coup ça fait 60 minutes enquête. Tu te rends compte? Pour ça? Bah, je suis en GoPro. Depuis tout à l'heure? Ouais. Non, mais ok, si tu t'en fous, tant pis, je te le dis pas. C'est un plaisir, merci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, vidéo d'une heure, le Claude va galérer. Félicitations au brigadier Boria et à sa herse magnifique. Heureusement que l'autre branle-quignot est reparti par là. Et puis du coup, bonne soirée à tous, chouchou. Putain, ça y est, on se retourne. Il y a toute une vie qui arrive là, la sécurité, machin. Ah ouais, faudrait peut-être faire quelque chose avec son express quand même. Complicité de braquage, il passe en total. T'as les clés? T'as pas les clés? Ah! Bonsoir. Oh là là, personne n'a les clés. Ah non, on l'avait pas encore en total à ce moment-là. J'ai pas récupéré les clés. Bah tant pis, hein, c'est de notre faute. Il part en fourrière dépanneur. Voilà, c'est de notre faute. Bah du coup, on vous laisse contacter les dépanneurs. Tu me parles en même temps là. Yes. Bonne soirée, messieurs. Bien sûr, il faut. Oh les gars là, s'il vous plaît, je suis au téléphone. Pas le déranger. Faut pas le déranger. Allez, hop, ah bah tiens, la photo de la miniature quand même. Voilà. Boum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.